au sol. Au sol, sur les murs. Ah non, sur peut-être sur la griffe elle-même, parce que j'avais vu des trucs tantôt. Les... Voilà, c'est ce qui me semblait. Ours, papillon, hibou. Voilà, et là ça rentre. Allez. Et ça devient hibou hibou. Bah écoutez, je dois avouer que pour un truc tout rouillé et tout, ça rend encore bien, hein. Oula, le sang. C'était censé faire peur ou je sais pas. Ça c'est quoi là? Oula. Par contre, cet endroit-ci, je le sens mal. Oula. Oula. Oula, oula, oula. What the fuck? On va y aller en mode guerrier. Ouh, j'adore cette vision. Qu'est-ce que c'est? Oula, 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 oula! Qu'est-ce que c'est? Mode puissance a pris force, déferlement. Ok. Trouver le propriétaire dans la griffe d'or. Ah ouais, on va bouger le mode guerrier. Oula! Oula! Oula, despot draw. Oula! Pourquoi ça se met subitement en anglais? Oula! Oula, santé faible! Oula! Oula, il m'est cher! Il m'est cher! Oui! Non, j'appuie sur le mauvais bouton! Mon épée qui bande! Désolé! Non, j'appuie sur le mauvais bouton! Quel con! Quel con! Allez, on y va en mode YOLO. Ça passe. Ah, parce que je dois encore affronter eux. Voilà. Ça passe. Voilà. Désolé, je reprends pas l'or là parce que je suis totalement dégoûté. Esquive. Faut pas chier. Bah chier, je te dis. Et voilà. Ouh, fallait pas me mettre dans. Soit je vais quand même le mettre en favori, hein. Parce que ça peut être utile. Bon, optionnellement, là je vais pas le mettre, mais. Bon, j'ai retenu ours, papillon, hibou. Allez, open. Open, il m'a mis vénère là. Allez. Allez, je peux mettre des coups de boule au plafond limite. Il m'a mis vénère le drogueur. C'est fou. T'as pas de truc de moustique là. Sauvegarde, ce serait bien. Vas-y, redonne-moi, je kiffe. Voilà, en mode. Vas-y, viens ici. Vas-y, viens, je t'attaque déjà avant que tu sortes. Ça fait mal. Ça peut se comprendre. Rien eu le temps de faire. Rien du tout. What? What? Je prends. What?
santé et la vigueur de la cible subissent 5 points de dégâts de glace. C'est vachement mieux que le mien. Ouh, trop bien. On va voir comment ça rend. Ouah, pas mal. Potion de frénésie diluée. Quoi, un coffre. Bouclier en peau. Non, crochet, oui, oui. Ouah, une pierre de lune. Pas mal. Bâton de familier. Fait apparaître un familier pendant 60 secondes à l'endroit indiqué par... Valeur 926. Et bâton d'étincelle. Ok. Oh, attendez. Éclair qui inflige 5 points de dégâts de foot par seconde à la santé et à la magie. Cheaté. Vachement cheaté. Un peu comme Mémé. Voilà, Mémé. Bref. Désolé pour cette blague nulle. Allez, on progresse. Je n'ai rien oublié, je crois. C'était quand même vachement stylé. Mais je veux sortir. Slide. Allez, hop, 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 cataclope. Encore un coffre, tant mieux. Crochet, or, potion, potion. Hache d'acier, non. Hache d'arme d'acier, j'aurais bien voulu, mais là. Ok, je prends tout, je ferai le tri. J'ai pris un crâne, je sais pas à quoi ça sert, tant pis. Vers bord de ciel. Lorsque le haut roi meurt. Alors. Juste deux petites secondes. Voilà. Alors, on est sorti. Qu'est-ce qu'une potion fait là? Mystère absolu. Bref, on est sorti dehors. Toujours avec ces flèches qui m'énervent. De toute manière, c'est les flèches là que je veux utiliser. Et je veux pas les utiliser. Donc voilà, on est sorti vivant. Ah, ça fait plaisir. Un peu triomphant. Bon, alors on va aller retrouver l'autre papy. Aïe. Aïe. Ah bah non, parce qu'il y a un truc là que je peux... Explorer, c'est quoi? Plus haut de coradon. Bon, je sais pas ce que c'est, on s'y intéressera plus tard. Il y a un truc en plein milieu de l'eau, je sais pas ce que c'est. Là, il y a une pierre. Là, il y a un temple. Enfin, un temple. Ça doit être une grotte ou je sais pas quoi. Col de la brisure, sud. Ouais, j'explorerai plus tard. Et vu que j'ai la flemme, que je vais pas me retaper le chemin à pied, on va directement se déplacer à Fort Dragon. Alors, c'est parti. Bah, oh, wow. Je suis content que vous soyez ici et pas à Rivebois. Ces misérables n'ont même pas un mur pour se protéger. Bah, merci, c'est cool, tu prends soin de moi. C'est cool. Ouais, ah oui, alors j'avais oublié de vous dire, il n'y a pas le succès des chutes tourmentées, parce que comme vous le savez, il y a ma sauvegarde qui a planté. Et je l'avais déjà fait, en gros. J'espère que ça ne vous gênera pas le fait que il n'ait pas eu de succès. Vous voyez, la terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. D'ailleurs, tiens. La pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Oui. Ma récompense. Vous êtes plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, à Venici. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. J'espère bien. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade associé pour nous. Delphine. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Oui. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Moi? Dragon.
comme ces grisants. Où l'a-t-on vu? On peut servir. Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter. Oh, pickpocket. Non, deux secondes, parce que là... Ma récompense. Salut. Pas maintenant. Bah si. Pas maintenant. Oh, fais pas chier. Pas maintenant. Je vais te niquer. Pas maintenant. Mais mec. Ouais. Et il la garde. Merci, Rillette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. C'est un dragon, quoi. Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Bah, c'est un dragon, quoi. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien joué. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Ma récompense. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Pas bête. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. J'ai vu que vous aviez aidé le Jarl. Si seulement tous les gens qui viennent à l'encher vous perdent. Le gantelet en peau. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. À vos ordres. Je vous retrouverai à la tour de Gay dès que le reste des hommes se sera rassemblé. Je dois savoir à quoi nous avons affaire. Ok. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel. C'est une bonne armure que vous avez là. Le fer est un matériau aussi fiable que résistant. En dépassement. Les dieux vous ont donné deux mains et vous les utilisez toutes les deux pour manier votre arme. C'est respectable. Attends, je vais un peu au sauna, Irilette. Allez, refais la pause. Pause. Fais la course. Oh. Nul. Mais elle va y arriver avant moi, ça se fait. Comme une chienne. Ah non, elle marche posée. Elle marche posée. Jump. Oula, je failli tomber dans l'eau. Ouais. Pas de temps à perdre avec toi, mec. Donc, moi je rush. Je rush. Oh! Je passe beaucoup de temps aux étals du marché pour apprendre le métier de marchande. Salut! J'ai besoin d'expérience si je veux avoir mon auberge un jour. Ouais! Ah! Alors, c'est nous contre un dragon. Ok. Attendez, on attend votre patronne parce que. Un peu grosse. Voilà la situation. Un dragon attaque la tour ouest. Vous avez bien entendu. J'ai dit un dragon. Peu importe d'où il vient et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, c'est qu'il a commis l'erreur d'attaquer Blanche. Mais, Uskar, comment pouvons-nous affronter un dragon? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon, et nous n'aurions jamais pensé devoir en combattre un. Si minces soient nos chances de victoire, notre honneur nous commande de l'affronter. Ce dragon menace nos maisons, nos familles. Si vous fuyez devant ce monstre, vous souillez l'honneur des Nordiques. Allez-vous me laisser le combattre seul? Oui. Nous sommes morts. Mais nous risquons plus que notre honneur aujourd'hui. Réfléchissez. C'est le premier dragon aperçu en porte de ciel depuis le dernier âge. Allez, je vais aller niquer. Allez. L'honneur de sa mort nous reviendra. Alors qu'en dites-vous? Allons-nous mettre du dragon au menu de ce soir?
Oui. 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 Ne restons pas là. Go. C'est où? Genre là dessus. La flèche qui m'indique parfaitement où je dois aller. Et t'as cru que j'allais te suivre. Je ne sais absolument pas non plus comment affronter un dragon. Le fond de l'air est frais. Mes récoltes n'aiment pas le froid. Ça non. Le travail honnête est honnêtement récompensé. À l'aise. C'est tort.